Alors, bonjour tout le monde. Bon, voici un ancien safari. Il y a deux nouveaux Pokémon qui se sont rajoutés, dont Manglouton et Argus. Puis après avoir joué une douzaine de fois, voici que j'en rencontre Manglouton pour la première fois. Et je viens toujours de rencontrer Lucanon après avoir dépensé 10 vies. Moi, je suis sûr que je vais capturer, c'est Manglouton et Argus. Qu'est-ce que je fous là? Je me suis juste trompé de mouvement. Mais je perds un coup pour rien. Bon, c'est bien quand même comme dose de capsule. Et c'est capturé avec la promesse Super Bowl. Bon, Manglouton, puissance de 30, fait annihile barrière. Fait disparaître toutes les barrières rarement. Et maintenant, on peut donner à tous les Pokémon au moins 5 niveaux max. Sauf que par contre, pour un terrain quand même de ce genre-là, puis à donner un faible Pokémon comme ça, ça me tente pas bien gros d'investir dans ce Pokémon-là. Bon, il va me rester Argus à aller chercher tantôt. Ça sera à suivre. Enfin, les amis, le voici. C'est Argus, un des deux Pokémon qui est sorti pour cet ancien safari. Je viens de le rencontrer à ma 24e vie. Utilisée. Bye bye. Ok, 7 coups restants. Contre Argus. J'ai hâte de voir que ça va donner comme chose de capture. Bon, c'est 3% par coup restant. Mais ça commence à 1%. Pour la chose de capture par défaut. Okay. 44. Oh yeah, c'est capturé avec la première Super Bowl, yes! Bon, Argus, il est numéro 800. Puissance de 60. Fait écrasement. Retarde les entraves de l'ennemi. Et augmente les dégâts. Ah ben, il fait deux choses. Il retarde les entrées de l'ennemi et augmente les dégâts en même temps. Et pour lui, ben, on peut lui donner jusqu'à 5 niveaux max. C'est le minimum qu'on peut donner pour l'instant. Et il y aura une puissance de 105 au niveau 15. Et voilà, c'est terminé. Pour cette affaire-là, j'ai capturé les deux nouveaux Pokémon qui veut dire... Manghost, c'est ça, Manghost. Et Argus.
Excuse-moi. Bon, j'avais quelque chose à dire. Bon, ok. Eh ben, Pokémon Shuffle, ça a l'air que ça va bientôt toucher à sa fin d'ici 6 mois. Environ 24 semaines. En fait, il y a quelque chose que je voulais dire. C'est que j'aurais aimé pour le jeu avoir un Lucario chromatique si c'est possible. C'est ce que j'aimerais comme faveur avant que le jeu prenne fin. Et j'aimerais qu'il aille renvoi barrière avec 20 niveaux max. Si c'est possible. Et peut-être lui apprendre force énergétique comme sorte de... Comme autre talent. Et j'aimerais ça qu'il y ait une méga évolution avec... Qui efface des cases selon trois cases touchées. C'est ça, qui efface des Pokémon selon trois cases touchées. Comme Galekin. Ou Tyranestif. J'aimerais vraiment ça. Parce que j'aime vraiment jouer à ce jeu-là. Alors, sur ce, j'espère que mon message sera entendu et j'aimerais vraiment ça, avoir un Lucario chromatique pour ce jeu. Puis, c'est mon Pokémon favori. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois pour de nouvelles nouveautés. Puis, soi-disant passant, pour Mega Branette, ben après 3 échecs, j'ai finalement réussi à atteindre la classe S. Puis là, au départ, j'avais 12 rangs d'avance. Là, je suis rendu avec 20 rangs d'avance. C'est ça mon score. C'est 772 913 avec cette formation-là. J'aurais pu faire peut-être au-dessus de 800 ou 900 000 points si les 3 combos du type qui n'avaient pas foiré durant ce laps de temps-là, ben... Ça aurait peut-être pu m'amener plus loin. Comme vous voyez, regardez. C'est 1% pour la classe S. Ça veut dire que 156 joueurs auront 15 niveaux max. Là, je suis au rang 136. J'étais au rang 119 tantôt. Donc 129. Puis j'ai dû baisser 17. Mais il y a eu d'autres participants. Fait que genre, là, j'ai 20 rangs d'avance. Espérons que ça va tenir le coup. Bon, ben sur ce, bonne soirée. Et je voudrais avoir un Lucario chromatique pour Pokémon Shuffle. Merci beaucoup.